Ferrari 250 GTO Racer de 1963 est officiellement la voiture la plus chère du monde, ayant été vendue pour un incroyable prix de 52 millions de dollars. La voiture de compétition rouge, anciennement détenue par Paul Pappalardo, a été achetée par un acheteur anonyme dans une transaction privée. Le prix a eu une augmentation de 49% par rapport à toute autre vente enregistrée de ce modèle. Les voitures classiques, particulièrement les Ferrari des années 50 et 60, sont en augmentation de valeur année après année, les rendant la Joconde du monde de l'automobile. Chaque grand collectionneur doit avoir une GTO aujourd'hui s'il veut vraiment être dans la ligue des grands. Le téléphone intelligent le plus cher du monde est un gadget de folie de 16,5 millions de dollars. Le gadget en question est une pièce artisanale unique appelée iPhone 5 édition diamant noir. Le bouton d'accueil est un diamant noir de coupe profonde de 26 carats d'environ 600 diamants blancs qui couvre un châssis avec 53 diamants supplémentaires recréant le logo d'Apple sur le dos. La base du logo est faite d'or massif et l'écran a une couche avec verre de saphir résistant aux dommages. Le seul défaut de cette merveilleuse création de luxe est les 23 grammes supplémentaires de poids par rapport à un iPhone ordinaire. Il est actuellement détenu par un homme d'affaires chinois. L'hamburger le plus cher est un hamburger de 141 grammes qui vaut 332 000 dollars. Il a été produit par un scientifique néerlandais et il est fait de bœuf cultivé en cellules souches. Ceci est la première fois dans l'histoire que la viande développée en laboratoire soit offerte à la dégustation publique. Les chaussures pour hommes les plus chères du monde ont récemment été portées par Nick Cannon. Ces chaussures, incrustées de diamants que Nick Cannon avait portées à la finale de American Got Talent. Les chaussures en question ont été créées par Jason de Beverly Hills. Un gémologue qui a décidé de couvrir une paire, Tom Ford, pour cette occasion spéciale. 14 000 diamants blancs ronds d'environ 340 carats. Les chaussures ont en plus une couche avec de l'or blanc. Ces chaussures ont une valeur d'environ 2 millions de dollars. Le penthouse suite royale à l'hôtel President Wilson à Genève est la plus chère suite d'hôtel dans le monde à environ 80 000 dollars la nuit. Avec une vue incroyable pour couronner le tout, la suite offre une expérience luxueuse équipée par les plus beaux meubles, d'un piano, d'une table de billard, d'une télévision étonnante, d'une bibliothèque, d'un jacuzzi, d'une salle de conférence, d'une cheminée et d'un coin de repas somptueux. Nathalie Dillon est une ancienne diplômée en sciences humaines de San Diego aux USA. Elle a décidé de vendre aux enchères sa virginité avec de nombreuses photos révélatrices en ligne lors de ses 22 ans. Le prix de sa virginité a atteint le sommet avec une offre de 3,7 millions de dollars, ce qui rend officiellement sa virginité la plus chère dans l'histoire du monde.